présent face à un idole. Oui, ça me fait plaisir, regarde. Plaisir, oui. Le idole qui arrive là, musique là. Oui. Skacha, c'est vraiment Timon Mayo. Ouais, Skacha, ça fait bon temps, hein, depuis 1974 à New York. Et le public est toujours réceptif. C'est un beau travail, beaucoup de discipline. Il est très professionnel. Et on est là et je remercie toujours le public de nous supporter parce qu'on est sans public là, sans la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, tout ça, et puis Haïti, pour tous les fans du groupe. Est-ce qu'à faire le parler des liens sur là? Tu vois, ça fait plaisir de vous rencontrer les gars. Au ballon, même c'est un nom yoga ou bien c'est vrai prénom? Kobalou, c'est pas que je veux, j'adore la musique latine. Tu vois, je suis un fou et de la musique cubaine, de dominicaine, latine, tout ça. Et à force d'avoir chanté Café au Saint-Cyr de Willy Colonne, tout ça, et puis les gens, ils ont pensé que vraiment j'ai un accent un peu plus rapproché de ce genre de Cubain en espagnol, tu vois. Donc alors, ils t'ont donné le surnom, Même si c'est son Cubain. Mais j'ai pas aimé le nom. Genre, mais quand tu n'aimes pas un nom, et puis ça te colle dans le dos carrément, et puis tu peux regarder Boubano, il est sur la fin. Ça fait beaucoup de depuis 35 ans que j'ai ce nom-là, Boubano. Bon, ça c'est adopté. Facilement. Et pourquoi cette attirance vers la musique latine? Eh ben c'est parce que... latine en général. Latine en général, tout simplement, c'est par rapport à ma position géographique. Là d'où je viens, je viens du nord-ouest d'Haïti, et c'est très près. Et tu vois, depuis des fois, on reçoit les ondes radiophoniques de là-bas, et c'est toujours, on entend les Dibabiri, tout ça, les Willy Colonne, c'est Yako, ça, dans un certain moment. Tu vois, et tout le temps, la radio, c'est très difficile pour nous de capter des émissions venant de Port-au-Prince, Haïti, la capitale d'Haïti même. Parce que les images que les autres Cuba étaient plus confrontées, plus fortes, tu vois. Et c'est ainsi que j'ai été influencé par cette musique cubaine, cette musique latine, tu vois. Et quelle idée dès le départ de créer Skacha? Skacha, c'était vous savez, Skacha, c'est une continuation des Chuchleux. Nous étions les Chuchleux avant la Chuchleux de Daniel Cameron en Haïti. Et vous savez que l'origine des Chuchleux, ils étaient en Haïti, ils ont voyagé pour arriver à New York avec le rêve américain. Ils sont restés là-bas et on a dû substituer certains musiciens, parmi lesquels Cubano, on a pris pour faire le Chuchleux en Haïti. On est resté 3 ans en Haïti, ensuite nous avons eu notre programme, nous avons voyagé à New York, mais de là nous avons fait ce qu'il y a, puisque l'original Chuchu était déjà à New York, on n'a pas pu travailler sur le nom de Chuchu, alors on a été obligé de chercher un nom, on a conservé les deux S, et puis on a mis Skacha, et qui veut dire petit roi africain, venant de l'Afrique, petit roi africain, et tout ça. C'est tout ça, toute l'histoire. Mais plaisir. Il y a quand même eu aussi une scission entre ce Skacha-là, ouais, qui a donné Number One Plus. Exactement, à un certain moment, Céline a voulu retourner en Haïti, il n'a pas voulu travailler avec Skacha. À New York, il est en Haïti, il a continué, c'est un vrai musicien, un très bon musicien, qui a un très bon compositeur, guitariste, batteur. Alors il a voulu former le Skacha d'Haïti, qui n'a pas tellement marché, puisqu'il a actuellement, nous sommes réunifiés, il est là avec nous. Et cette session n'a pas tellement duré, mais le public ne l'a jamais accepté. Tu vois, ça a toujours été un rêve pour pouvoir le grand Skacha. Alors bon, nous avons fait des caprices, tout ça, mais on est revenu ensemble, mais ça part. Mais ça a quand même donné, d'un côté comme de l'autre, oui. de belles compositions. De belles compositions, pour l'avantage des mélodies. Exactement. Alors qu'est-ce que tu aspires maintenant à voir Skacha toujours évoluer, avoir beaucoup de succès à travers le monde? Bon, on continue de travailler solidement. D'autant plus que nous venons de lancer un nouveau CD qui fait un succès particulier. C'est le CD, c'est Lagué Jazz là, il y a en fait de 10 compositions là-dessus. Et nous avons un rêve que j'espère qu'il va se concrétiser dans la catégorie à un certain moment, puisque nous avons l'intention d'introduire des jeunes. Nous avons introduit des jeunes au sein de l'orchestre, et c'est une jeunesse vraiment fougueuse, si tu veux. Il y a le petit Harold, c'est lui qui est sur le keyboard. Et puis on a de nouveaux bassistes, de nouveaux guitaristes, Macario Césaire. Et ils sont très bons, ils sont très valables, et nous espérons avoir un jeune Skacha, peut-être dans 2 ou 3 ans ou 5 ans, si tu veux. Voilà, c'est à ce moment-là que tu passeras le flambeau. Sans doute, hein, le flambeau, oui, bon. Mais à chaque fois que je vois, on me dit ça, c'est quand il va falloir passer le flambeau. Mais la dernière fois, j'étais à New York, j'étais dans un concert de Charles Aznavour, il célébrait ses 78 ans, et c'était un concert rempli à l'Académie Hall, et il faut voir avec sa voix qui n'avait jamais changé, parce que la foi, c'est un cadeau de Dieu. Et même quand je ne vais pas continuer à évoluer sur scène, mais j'ai l'impression que je vais toujours continuer la musique parce que j'ai mon propre studio à la maison et peut-être plus faible.
continuer dans la musique, parce que sans la musique, mon Dieu, il n'y a pas de combat d'eau, il n'y a absolument rien. Absolument. Et pourquoi pas peut-être donner quelques concerts privés. Sans doute, oui, c'est bon. Quelques petites prestations privées. Voilà, c'est ouais. On aura là aussi la chance de, ouais, d'entendre encore ta voix si particulière. Merci, merci. Ouais. Unique, je dirais même unique. Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'ai l'intention de faire tout ça. Et normalement, c'est quand on est un musicien, on est pour la vie. Si on est un vrai musicien, un vrai professionnel, on est pour la vie. On peut pas déposer sa guitare ou son piano. On a toujours quelque chose à fredonner, une mélodie, quelque chose. Ouais. C'est ça, c'est ce qui... La création, ça ne meurt jamais, quoi. Jamais, ça. Le cerveau est en perpétuelle évolution. Ça doit bien durer, oui. Et oui. Ça te donne toujours de l'émotion de voir les gens comme ça réagir de bonne façon quand le scratchage vient se produire. Ouais, c'est ce qui nous encourage, parce que normalement, comme je l'ai dit bien avant, sans les fans, on n'a absolument rien. Parce que si on est un artiste, il n'y a personne qui vient vous voir, qui peut vous encourager. C'est qu'on a tendance à se laisser emporter par la vague du découragement. Et c'est ce qui est important, c'est d'avoir des fans qui vous apprécient. Et depuis 30 ans, depuis notre 33 ans, et l'enquête du public a toujours été réceptif à notre endroit. Et je dois dire que c'est vraiment quelque chose qui nous donne, qui nous pousse, parce que c'est comme un vent et qu'on a un pompe, tu vois, c'est comme un bateau qui continue à souffler sur mes huiles, si tu veux pas me mettre en bouleversé. Merci Monsieur Goubano, vous aussi vous avez peut-être la chance, vous aurez peut-être la chance un jour de discuter comme nous ici avec lui. Je vous souhaite ça. Et puis bon concert de Skacha. Et cette année, vous allez sur les Antilles encore cette année? Oh, les Antilles, mon Dieu, c'est ça. Comme je t'ai dit, les Antilles, c'est dans le cœur. Et vraiment, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, tout ça. Et tout, pour les vacances, on ne peut pas se permettre de ne pas donner un coup de pied là-bas. Tu vois, parce que c'est l'ambiance. Alors, Dieu, calme-moi où serait là-bas, parce que moi, je pense y descendre aussi. Ah bon, on va se trouver là-bas. Hein. Ouais. C'est normalement avec le froid qu'il y a. C'est heureux, à Paris, il ne fait pas tellement froid, mais je dois te dire que je reviens de New York, il fait moins 9. Et c'est vraiment, on est obligé de rester comme ça. C'est une fois de Sibérie qu'il y a là-bas. Mais quand on est aux Antilles, on a le soleil. Et puis, Skacha son public là-bas aussi. Skacha son public, parce que la dernière fois qu'on était au stade de Dillon, ouais. Et nous avons joué au stade de Dillon, il y avait près de 30 000 personnes qui avaient répondu présent à cette invitation, et ça a vraiment été exceptionnel. C'était en juillet dernier, et nous espérons que c'est le 14 juillet qui va arriver. Normalement, on devait aller pour le carnaval, mais vous savez qu'il y a un problème de permis de travail, il faut mettre des papiers, ça va mettre moins de mois avant que ça se concrétise. Et de toute façon, bon, on a projeté ça pour le mois de juillet. Je suis certain que pour le mois de juillet, tout ça va se réaliser. Et les Antilles, mon Dieu, c'est bon. Skacha, c'est vrai que c'est un groupe mythique. Un mythique. Ouais. Je me rappelle du stade du Vauclin. Le Vauclin. Le Skacha. Tout ça, Consolation, et tout ça, Haïti, Mania. Vraiment, c'est de beaux souvenirs. Et les Antilles, mon Dieu, bon, je dois le dire sincèrement, c'est pas pour flatter les Antillais, mais vraiment, je me sens Antillais. Alors, normalement, je suis de la Caraïbe, je suis d'Haïti. Et vraiment, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je me dis que je suis Goubano. Et je m'enorgueillis à la pensée de pouvoir externaliser mes sentiments. Je peux te dire un petit secret? Oui. J'ai mon frère qui joue de la musique dans le groupe Harmonie. Oui. Et c'est tué exactement son exemple. Ah non. Puisque lorsqu'il chante, il chante avec des maracas aussi. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Il a donc le style cubain, tu vois. Voilà. Bon, c'est un très beau style. Sinon, le salsa, on va danser les gens tout. Mais c'est le compas, le salsa, même le zouk, tout ça, tu vois. C'est à nous, tu vois. C'est pour les Caraïbes. Nous sommes Caraïbes, nous sommes fiers de ça. Le compas est universel. Définitivement, tu as bien parlé. Eh bien, Goubano, on te remercie beaucoup. Hein, tu fais honneur à notre musique. Et c'est une musique que tu vas porter encore longtemps. Ouais, c'est nous qui parce que cette voix, oui. On l'écoute depuis presque 35 ans. Oui, on a grandi avec et hein? Ça fait plaisir. Bon, c'est nous qui te remercions et au nom du Skacha, je dis bonjour à tout le monde. Et j'espère et que très bientôt on va se revoir aux Antilles pour continuer cette manifestation. Il n'y a pas de souci. Encore merci. Ouais, bye bye. Ciao. Loubert, bien bonsoir. Bonsoir. Bel plaisir d'être plus, ouais, parce que franchement, on y a fait me danser et puis il se cacha. On ira juste sur la cassure entre le premier Skacha et puis Loubert qui est parti pour faire son Skacha. Non, mais je ne suis pas parti faire mon Skacha. Hein. Je suis parti habiter, j'ai déménagé à Miami. Je suis allé à Miami. Comme ça, bon, je me fais.
on n'aurait pas dû avoir une cachée parce que je laisse mon frère pour continuer pour moi. Mais tu vois, les gens, ils voulaient voir le père et tout ça. Mais Kobano a toujours tenu avec le public de Sacha, Dieu merci. Parce que même après 15 ans, le public n'a jamais cessé de réclamer la réunification. Et moi je me suis, j'ai remarqué que moi aussi, Sacha me manquait. Donc on s'est entendu là et on a repris. Et puis depuis qu'on a repris, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de casque, tu vois. Donc on dit bien pour l'histoire qu'il n'y a jamais eu de mésentente, c'était juste... Je suis cassé comme ça, tu vois, ça arrive, mais ce qui est important, c'est qu'on se soit retrouvé à nouveau. Et depuis, c'est la fête, on dit. Tant mieux. La cassure a une bonne chose, c'est que ça a pu engendrer d'autres compositions que si peut-être vous étiez restés ensemble, il n'y aurait pas eu la même vue. Peut-être pas. On a pu expérimenter avec d'autres parce que moi j'ai joué avec Scandale par exemple, j'ai joué avec Haïti Toubalou et tout ça, donc ça a été bien quand même. Et il faut dire merci à Kobano qui a su tenir ce cachet quand même pendant tout ce temps, parce que le public s'il demandait une réunification, là on n'aurait pas pu donner ce qu'il demandait si Kobano n'avait pas tenu ce cachet. Donc il faut lui dire merci aussi. Ok, toi-même Loubert, tu es de quel côté d'Haïti? Non, moi je suis de Gros Monde, c'est du côté de Gonaïves, de l'Antibonite. Ouais. L'Antibonite qui est très chantée. Ouais. Par beaucoup de gens. Oui, bien que c'était à propos de Jeanne, là, il y avait comment dire ça, le déluge, tu vois, qui a causé pas mal de malheurs là-bas. Et des gens qui sympathisaient avec nous, donc ils ont. Tout le monde a chanté Gonaïves, tout le monde a chanté Jeanne, tu vois. Mais ça va. Toi-même, Loubert, tu fais profiter de ton expérience à des jeunes qui s'intéressent à la musique et au compas. Au niveau conseil, oui. Parce que je ne donne pas de cours et tout ça, mais je donne beaucoup de conseils à qui veut m'entendre, tu vois. Il y a des gens qui me demandent, il y a des gens qui s'intéressent au saxophone là maintenant. Depuis la réunification, il faut dire, il y a des jeunes qui m'approchent et me disent que là maintenant, bon, on veut vraiment apprendre à faire du saxophone, qu'est-ce que je conseille? Bon, je dis, bon, il faut d'abord essayer de bien apprendre, de bien faire, parce que c'est pas tout le monde qui peut s'enorgueillir du fait qu'on soit autodidacte, tu vois. Donc il faut aller à l'école et tout ça, parce que c'est toujours important. C'est le passage obligé, cette histoire d'école. Bon, mais moi, je suis un autodidacte, tu vois, tout ce que j'ai appris tout seul, tu vois. Mais je sais bien qu'avec une base scolaire à l'école, ça ira mieux. Mm-hmm. Ouais. Tu penses que ça aurait changé ta manière de jouer? Peut-être que ça m'aurait donné beaucoup plus de confiance, à moi-même, mais quand même, le talent, tu vois. Des fois, on va à l'école, c'est pour découvrir ce qu'on connaît déjà, ce qu'on sait déjà. Peut-être ça t'aurait peut-être freiné sur ce. Je sais pas, c'est mon compas, tu vois. Mais quand même, tu vois, je continue à apprendre. Hein. Je continue à apprendre tout seul. J'achète mes livres et tout ça, j'écoute des gens parce que la musique c'est comme ça. On écoute d'autres gens. Et puis, on se forme une personnalité à soi. Ouais. Quand tu voyages comme ça, tu te prends un petit moment pour aller voir d'autres confrères musiciens qui jouent dans d'autres spectacles, dans d'autres genres. Cela dépend de l'endroit. Pas seulement de l'endroit, mais du temps que je vais passer. Si je dois passer un jour ou deux, peut-être que je n'ai pas assez de temps pour le faire. Mais je suis toujours intéressé à aller voir d'autres gens, d'autres musiciens, tout ça, et d'autres programmes. Pendant que j'étais ici, j'ai passé à une boîte, voir comment ça se passe, comment l'ambiance était. J'étais chez Bruno, je m'en parlais de la boîte. C'est bien de voir, il y a beaucoup de compas, il y a beaucoup de gens qui viennent supporter le compas, et donc ça m'a fait plaisir. Ouais. Mais ça me fait plaisir aussi de parler avec toi, ou de parler encore plus longtemps, mais ton public te réclame. Ouais. Donc on te laisse aller. Pour le grand show de ce soir. Te remercie. Ah, okay, merci. Okay. Merci Loubert encore et puis balle nous saxo. Ok. nous mettons nous six souffle là-dedans. Merci. Ok. Ok. Que beret. Bye. Nous on va chanter. Thank you.
Thank you.
vie est belle, l'est toujours belle, époque de Naval. T'es mettre sous Pékin, t'es maintenant la paix, t'es toujours content. C'est la joie, c'est la gaieté, dans mes un peu pas ici. Sourire et bon carnaval.